Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 6 de Au coin du Blu-ray. Épisode 6, toujours donc consacré à la lettre B. Lettre B, comme je disais la dernière fois, dans laquelle j'ai pas mal de jolis morceaux de cinéma. J'ai notamment Brawling Cell Block 99, ou Section 99, quartier de haute sécurité, de S. Craig Zahler, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler récemment sur la chaîne. C'est un excellent long métrage que je ne peux que vous conseiller. Il y a également Black Klansman, par exemple, où il y a aussi des films comme tout simplement Black Swan ou La Bataille de la Montagne du Tigre, que je vous invite à redécouvrir. Il y a la vidéo sur la chaîne d'ailleurs, critique, si jamais vous voulez aller voir. La Bataille de la Montagne du Tigre est un immense long métrage de Tsui Hark. Mais j'ai décidé de m'accorder l'occasion de vous parler d'un chef-d'œuvre. D'un des morceaux de cinéma les plus jouissifs et les plus cools que j'ai eu l'occasion de voir, que j'ai découvert tardivement, mais quel plaisir ce fut de découvrir ce long métrage. C'est un long métrage que je vais vous conseiller de regarder, surtout les plus jeunes, si vous avez ce petit côté rebelle et cette fibre qui vous donnerait envie de tout faire valdinguer et de croire en l'impossible. Eh ben, The Breakfast Club de John Hughes est le long métrage qu'il vous faut. L'histoire, c'est celle de cinq ados que tout oppose, qui vont se retrouver en salle de colle pendant toute une demi-journée. À partir de ce pitch extrêmement simple, John Hughes a livré l'un des morceaux de cinéma les plus cool, les plus fun et les plus jouissifs de l'histoire du cinéma. Le concept est simple, comme vous l'avez vu, mais à partir de ça, il arrive à construire quelque chose de tellement fort qui, encore une fois, réussit à saisir toute la fibre adolescente qui réside dans une espèce de jeunesse qui a envie à la fois de tout foutre en l'air et en même temps de juste se trouver une bonne compagnie. Il y a tout dans The Breakfast Club. C'est un morceau de cinéma devant lequel on reste complètement estomaqué par la maîtrise avec laquelle la mise en scène et l'écriture de John Hughes arrive à prendre chaque aspect finalement et chaque fibre de chaque personnage pour faire en sorte que chaque spectateur puisse se retrouver un petit peu entre eux. C'est extraordinaire, mais on a envie d'être avec eux. Tellement John Hughes arrive à bien écrire ça. John Hughes, c'est un cinéaste qui a toujours été capable de comprendre les adolescents avec une telle clairvoyance. Je crois que le seul autre cinéaste que j'ai vu bien comprendre les adolescents avec autant de maîtrise que John Hughes, c'est Robert Zemeckis et Bob Gale au travers de Retour vers le futur. Où là, pareil, il y a cette fibre un petit peu rebelle, cette envie d'aller tout foutre en l'air et en même temps de se trouver sa petite case et de rentrer dedans. Et c'est assez exceptionnel, mais bon, déjà, il y a un jour, il faudrait que je vous parle de La Folle Journée de Ferris Bueller. C'est extraordinaire ce film, ça vous renverse la tête et c'est jouissif à regarder. C'est genre vraiment l'un des films les plus fun du monde. Et The Breakfast Club, c'est presque l'antithèse de La Folle Journée de Ferris Bueller. Dans le sens où ce film-là est hyper sérieux. Ok, il va avoir un côté décalé par le biais des dialogues, ok, il va avoir une certaine remise en question par le biais de certains personnages, et il va y avoir le petit côté un peu délirant qui va être amené par le biais de certaines situations, mais la fibre du film est beaucoup plus sérieuse. Et il y a même des éléments de ce film-là qui sont assez dramatiques, notamment par le biais de certains personnages qui ont des tendances plus ou moins suicidaires, mais surtout ont des envies de vouloir tellement changer le monde et de vouloir changer le regard que les gens portent sur eux, que ils en deviennent hyper attachants. Voilà ce. Un magnifique doigt d'honneur là, mais typiquement on est sur l'exemple du long métrage devant lequel on ne peut s'empêcher de s'accrocher à ces persos et de se dire qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont humains, qu'est-ce qu'ils sont déchirants de sensibilité, de tendresse, de justesse, enfin tous les renforts. Et ce qui est génial encore une fois, c'est qu'ils ont chacun des traits de caractère tellement opposés que ça les rend complémentaires. Et The Brat Pack, c'est peut-être la meilleure bande de potes qui a été créée au sein du cinéma. C'est une bande de potes qui devraient être chacun dans leur petit coin et qui se retrouvent maladroitement collés les uns avec les autres et qui vont se découvrir, qui vont apprendre à se connaître et qui vont ne jamais s'oublier. Don't you forget about me. C'est important. D'ailleurs, autre point, la BO du film, qu'est-ce qu'elle déboîte? Tout déboîte dans ce film, la BO du film, les performances d'acteurs, les cinq acteurs là qui jouent cette bande de potes, ils sont juste hallucinants. Il y en a certains qui n'ont pas vraiment réussi à percer par la suite, mais c'est parce qu'ils ont tellement bien joué dans ce long métrage que derrière, ça semblait difficile de les faire jouer autre chose. Et c'est assez extraordinaire, mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Tous ces acteurs, que ce soit Emilio Estevez, Paul Gleason, Anthony Michael Hall, Jude Nelson, Molly Ringwald, Ally Sheedy, ils sont tous géniaux. Et moi, il me renverse à chaque fois. Je me sens totalement passionné par tout ce qui se passe à l'écran et je me dis, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux.
Bon, clairement, en termes de bonus, le Blu-ray est un petit peu plus fourni que les derniers qu'on a eu l'occasion d'évoquer, mais c'est pas non plus la folie. Il y a vaguement un tout petit making-of, l'origine du projet et les commentaires de deux acteurs du film, qui sont Anthony Michael Hood et Jude Nelson. Ça apporte pas grand-chose, mais c'est plutôt fun d'avoir les commentaires de ces deux acteurs parce que ça permet de prendre un petit peu de recul et de voir à quel point ça a changé leur vie finalement de jouer dans The Breakfast Club. Parce qu'encore une fois, The Breakfast Club, pour ceux qui connaissent pas, c'est un film qui a marqué une génération, aux États-Unis en tout cas. En France, ça a été un petit peu moins le cas. Il y a heureusement quelques cinéphiles qui connaissent The Breakfast Club et ça a réussi à avoir un certain impact auprès de certaines personnes. Mais aux États-Unis, c'est un film générationnel. Ce film-là, il y a des darons, ils les font mater à leurs ados pour leur faire prendre conscience que des fois la vie est compliquée, mais qu'on arrive toujours à surmonter les grandes étapes lorsqu'on est bien entouré. C'est un grand moment de cinéma, The Breakfast Club. Si vous avez l'occasion de le mater, foncez, parce que vraiment, vous n'allez pas le regretter. John Hughes, il a réussi à capter quelque chose de si juste, de si parfait, de si fondamentalement et justement amené à l'écran qu'on ne peut que se sentir touché par The Breakfast Club. Donc foncez, je pense que vous ne le regretterez pas. Ainsi s'achève cet épisode 6 de Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me déclarer votre flamme sur The Breakfast Club dans les commentaires. Je suis quasiment sûr que tous ceux qui ont déjà vu le film vont l'adorer et ceux qui le regarderont à la suite de cette vidéo vont le surkiffer. Et d'ici là, je vous dis ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a encore plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray. Et je vous l'avais dit qu'on trouvera un Blu-ray avec des bonus.